Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler de Macron. Je trouve qu'il a de la fuite dans les idées. On pourrait intituler son discours qu'il vient de faire, ou qu'il va faire, Le grand vide. C'est vide, il n'y a rien, c'est creux. Et notez bien que lorsque Macron parle, hein, il nous annonce des choses sans intérêt. Regardez par exemple, annoncer le 23 août que lui, Macron, veut faire rentrer les élèves en difficulté le 20 août, c'est pour moi juste surnaturel. Donc, Macron fait du Macron. C'est du grand vide, on assiste à cela, un peu éberlué même, tout est flou comme d'habitude, tout est convenu comme toujours, et au final, c'est un discours creux et long de plus, typiquement socialiste. J'insiste sur ce fait, le président Macron est un pur produit du socialisme à la française. Ce qui apparaît comme fantastique sinon bizarre, c'est que tous les discours du président Macron ont eu la même intonation politique de gauche. Il a utilisé toujours les mêmes phrases, les mêmes propos, et ça n'a jamais été remarqué visiblement, sauf par euh, votre serviteur. Dans la mouvance des socialistes, Proudhonien, bien sûr, parce que Proudhon était le grand théoricien du socialisme français, et que nos médias et même l'opposition font semblant de croire que Macron pourrait, ou qu'il serait de droite, c'est quelque chose qui m'épate. Ça m'épate parce qu'il n'est pas de droite, il n'est pas du tout de droite, ce garçon. Il est vraiment socialiste, il est en train de pulvériser la France. Il l'a dit, il a inventé même un mot, comme tous les socialistes, déconstruire la France. Voilà, ça veut dire quoi ça Déconstruire la France. Hein C'est vraiment encore une connerie euh, de marketing de mes deux. Alors, le subterfuge employé est complètement anachronique pour mieux nous cacher la vérité des discours de ce président qui ne l'oublions pas est quand même au départ et finalement à l'arrivée un pur produit du socialisme, lequel n'a jamais été bon pour les pays qui ont dû le subir. Vous n'avez pas pouvoir donner d'exemple favorable au socialisme dans le monde, euh, socialisme ou communisme, enfin toutes les, tous les dérivés de ce genre. Ainsi, Macron évoque, évoque comme je l'ai dit plus tôt, la rentrée scolaire pour les élèves en difficulté et en disant ils ont trop de vacances. Mais à quoi ça sert Cela signifie quoi que tout le pays sera un pays d'assistés et que les parents sont incapables de faire face à ce qui les concerne. Mais c'est grave ça. Et c'est typiquement socialiste qui consiste à vouloir régenter notre vie. Parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est régenter notre vie. Et ben moi ça, je n'en veux pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'en veux pas. Alors, évidemment, le grand vide, c'est toujours la même chose avec les gens de gauche. Ils racontent n'importe quoi, ils font croire qu'ils travaillent dur, bien sûr, qu'ils sont débordés, que tout va changer, quand rien, mais strictement rien ne change jamais. Alors, dans ce domaine, Macron a décidé d'inviter les, tous les partis politiques à une sorte de raout pour voir ce qu'ils pourraient faire et leur proposer. Comme si les partis en question, hein, qui sont incapables eux-mêmes de savoir ce qu'ils veulent, vont vouloir proposer quelque chose de concret on n'aura rien et cela ne sera pas de la faute du président. Tout, toute la manœuvre habile consiste à dire moi je voudrais faire ceci ou cela, mais regardez, eux ils ne veulent pas. Alors ça c'est un truc très simple, c'est un truc typiquement, euh, allez je vais le dire encore, socialiste. Hein, ça marche bien, c'est comme ça depuis toujours. En fait, on se retrouve en permanence avec ce fameux... Cette fameuse phrase terrible, responsable mais pas coupable, alors qu'ils sont les deux, responsable et coupable. Alors, il reprend Macron euh, le problème de l'immigration, qu'il faut mieux contrôler, etc., etc. Mais ça, on nous le dit depuis 40 ou 50 ans, et sans la contrôler, justement. Il reprend aussi le thème de la dette publique, qu'il faudra, dit-il, dès 2026 baisser, hein, au moins de 3%, euh, 3 par an. Avec 3% par an, je ne sais pas où il va les trouver, et comment il va faire. Pourquoi ne pas la baisser d'ailleurs avant cette date, puisque la dette explose et ruine la France On ne le sait pas, lui non plus d'ailleurs. Tous les grands thèmes socialistes sont donc dans le discours de ce président Macron, et ce discours pour moi consiste à noyer le poisson, et cela permet finalement de rester totalement immobile. Plus un discours est long, comme pour les programmes des candidats politiques au présidentiel qui sont épais, moins il y a de résultats. C'est la seule chose qu'on peut constater aujourd'hui dans un pays un peu qui va à volo, où tout le monde est un peu amorphe, tout le monde est un peu dégoûté, etc. Mais en attendant, on a deux choses qui sont concrètes pour tout, les, tout le monde l'insécurité, parce que l'insécurité maintenant elle est partout, et le pouvoir d'achat qui est en baisse totale. Il suffit de, de se rendre faire des courses pour s'en rendre compte, quoi. C'est simple. On voit tout de suite qu'il y a un problème. Eh bien, je ne vous parle pas des prix de l'énergie, essence, électricité, gaz, fuel, etc., qui ont flambé. On est dans un monde qui est devenu irréel. Et j'appelle ça le grand vide. Bon, allez, je vous dis à bientôt. On est mal, on est très mal. Et ça ne peut qu'empirer. Qu voilà. Allez, passez quand même une bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore.